À sa naissance, en 1974, à Bordeaux, les bonnes fées lui ont donné un esprit logique, un nez retroussé et un bon coup de crayon. Très tôt, Baste commença à exercer ses dons sur les murs de la crèche. Lao Tse a dit « Il faut trouver la voie !» Baste a cherché la sienne de façon méthodique. Et soudain, la révélation fit « J'boum !» dans sa tête. Les professeurs de Baste étaient fort clairvoyants. Et grâce à de subtils indices, ils décelèrent bien vite sa vocation. 100 fois sur le métier, Baste remit son ouvrage, ne ménageant ni ses efforts, ni son temps, ni les 26 hectares de la forêt amazonienne qui furent transformés en papier canson pour les besoins de cette noble cause. Mais il resta fidèle à ses premières sources d'inspiration. Et peu de temps après, il parvint à publier ses travaux. Ça a été assez rapide parce qu'en fait, j'ai eu un peu de chance, on va dire, c'est que je connaissais en fait un éditeur qui m'a appelé un soir pour me demander de faire un livre dans une petite collection qui nécessitait vraiment pas beaucoup de travail. Enfin, il y a du travail, mais disons que ça nécessitait que quelques pages. Il n'y en avait que 24 en noir et blanc. J'avais déjà fait des VD chez moi en fait avant, que j'avais jamais fini vraiment. Et là, par contre, j'étais contraint de le faire et j'avais des délais et j'avais un livre au bout. Donc c'est ce qui m'a permis de devenir auteur BD. Voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres livres, surtout d'ailleurs avec un ami que j'ai rencontré bien plus tard, Mathieu, qui est scénariste. On a collaboré et on a fait depuis, je ne les compte plus. C'est vraiment une bonne collaboration, riche, excitante, qui me convient parfaitement. Recueillez-vous, yeux éblouis. Car voici le temple où naissent les grandes œuvres et les petits Mickey. Dans ce lieu mêlant vie et travail, Baste va nous exposer les étapes menant à la réalisation d'une illustration de son prochain album, Les débuts de Moïse. La mise en couleur de mes albums, en fait, se fait d'une manière très très simple, avec un logiciel de retouche photo. J'ai appris tout seul les commandes les plus simples, ce qui donne finalement une mise en couleur assez basique, mais qui va très bien finalement avec mon dessin, puisque c'est de la ligne claire. Et ma mise en couleur va aussi dans ce même sens, avec des aplats, quelques effets d'ombre aussi, et des lumières très légers, pas d'effets inattendus ou d'effets compliqués.
Disons que je me réfugie un peu là-dedans parce qu'en fait, pendant des années, j'ai dû utiliser de l'acrylique et reproduire surtout des dessins des autres. De l'Uderzo, ou des auteurs qui travaillent à l'aquarelle, ou des auteurs en aplat. Et je pense que ça m'a un peu usé de faire ça. Et je me suis donc réfugié dans la mise en couleur par ordinateur pour un peu laisser tomber toute cette partie peinture que j'ai fait pendant 6-7 ans. J'ai acheté une palette graphique et je dessine avec un stylet. Enfin, je dessine, je mets en couleur avec un stylet. Donc je garde finalement ce geste-là du dessin qui se prolonge avec celui de la palette graphique. J'ai un projet en fait qui me tient à cœur, qui est important pour moi. J'ai fait beaucoup de livres qui sont plus axés sur l'humour, sur le gag, sur voilà, quelque chose d'un petit peu poète-poète, rigolo. Celui-ci est vraiment différent parce qu'il se base sur une expérience que j'ai vécue et qui est importante pour moi. En fait, je suis allé en prison. Mais en tant qu'intervenant extérieur pour apprendre à dessiner à des jeunes, hein, évidemment. Et ces souvenirs-là d'intervention, ces souvenirs de lieu même, de la prison, m'ont marqué vraiment. Et j'aimerais en faire un livre qui retrace un peu ces souvenirs d'expérience d'intervention avec ces jeunes. C'est un projet qui est dans ma tête, en fait, depuis 3 ans. Ça me préoccupe, ça m'omnubile, ça reste là tous les jours. Je recule toujours ce moment où je dois le faire, mais je vais arriver à le faire à un moment donné. Je sais que ça va me faire du bien, ça va me libérer, ça va me donner plein de... Ça va m'ouvrir, ça va me rendre plus léger, et ça va me rendre heureux. Thank you.